Du côté de Sésame, bienvenue du côté de chez Sam. Le secret du docteur Danglars de Jean Contrucci se déroule à Marseille en 1899. L'histoire débute par la décapitation de l'anarchiste Bérano, à laquelle Raoul Signoret, reporter au Petit Provençal, est tenu d'assister, malgré ses convictions personnelles. C'est ainsi qu'il rencontre Labouille, un ouvrier typographe, qui travaille dans le quartier du docteur Danglars, accusé d'avoir provoqué la mort d'une jeune fille en lui faisant subir un avortement clandestin, procès que le journaliste doit suivre de près. Ses liens de parenté avec Eugène Baruteau, commissaire principal, chef adjoint de la Sûreté marseillaise, permettent à Raoul de se tenir au courant de la moindre avancée concernant cette affaire et est ainsi amené à enquêter parallèlement sur le trafic d'opium. Jean Contrucci nous offre un roman policier bien ficelé, dont l'atmosphère phocéenne est omniprésente, avec ses expressions verbales folkloriques, des personnages attachants, notamment le tandem Signoret-Baruteau, particulièrement hilarant. Le secret du docteur Danglars est le troisième tome de la série Les nouveaux mystères de Marseille, après l'énigme de la Blancarde et la faute de l'abbé Richaud.